Bah, tout d'abord, félicitations pour votre performance de ce soir, c'était vraiment très sympa. Bon, je crois que c'était votre première fois en République tchèque. Alors, je sais pas, comment vous avez trouvé le public? Est-ce qu'il était bon, plutôt bon, il était réceptif? Réceptif, nickel. Je sens qu'il était bien boueux et bien humide. Il est resté, c'est vaillant. Il y a beaucoup qui sont encore là. Ils sont vaillants. Ok, ça marche. Est-ce que vous remarquez une différence par rapport à un public que vous avez d'habitude? Ou est-ce qu'ils étaient. Enfin, est-ce que par exemple, est-ce qu'ils reprenaient les chansons? C'est la première fois, donc c'est pas facile de dire vraiment, quoi. On sent qu'il y a encore un autre esprit qu'en France ou dans d'autres pays. Après, on peut pas dire. En tout cas, ça s'est bien passé pour selon que les conditions elles étaient extrêmes. D'accord, ouais. Est-ce que vous pouvez dire un mot peut-être sur le festival lui-même, Mighty Sounds? Est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de festival qui mélange plusieurs types de musique et qui, enfin, et le principe c'est aussi de faire le festival à la campagne, c'est-à-dire un peu en dehors de la ville, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez dire deux mots sur ça? Un genre de festival, c'est très bien, t'es en dehors de tout justement. C'est une sorte de communauté qui fait dans un endroit tranquille. Bon, par contre, au niveau des. Là, actuellement, aujourd'hui, c'était pas le meilleur jour pour nous. On n'a pas pu apprécier à certains festivals. Mais pour néanmoins, c'est un truc de fou. Ouais. C'est que les festivals, comme on les appelle. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, les gars.